Mon ami, mon grand ami, c'est le meilleur, mon grand ami, c'est le plus drôle, mon grand ami. Moi j'aime mon grand ami. Il arrange tout, mon grand ami. Il me suit partout, mon grand ami. Le voyez-vous, mon grand ami, c'est mon grand grand ami. Mon ami. Ça chatouille. Oh, il rentre dans le tunnel. Je suis bien content que mademoiselle Carole t'ait confié Harold pour Noël. Moi aussi. Harold est le plus gentil hamster du monde. Et je parie qu'il se plaît dans ta maison. Il a l'air d'aimer les jeux que tu as fait rien que pour lui. Go, Bonnie. Bonjour, Yuri. Ça va, Goliath? Prêt à retourner à l'école? On reprend aujourd'hui. On va bien s'amuser. Je vais t'aider à porter le hamster. Bonjour, Harold. Tu n'as pas hâte d'y être? On a tellement de choses à dire à la maîtresse. Ce qu'on a eu comme cadeau. Ce qu'on a fait cuire comme gâteau. Ce qu'on a eu comme cadeau. Les films qu'on a vus. Ce qu'on a eu comme cadeau. Nous aussi, on a beaucoup de choses à raconter. Pas vrai, Yuri? Oui, bien sûr, mais... Mais quoi, Yuri? Mais si on reprend l'école, logiquement, on doit aussi ramener Harold. Oui, c'est l'animal fétiche de la classe. J'aimerais mieux le garder chez moi. Hein? Ah! Le garder chez toi? Chez toi, ici? Non, Yuri, ce n'est pas le tien, ce ne serait pas juste. Non! Il appartient à toute la classe. Uh-huh. Et il nous manquerait beaucoup. Beaucoup? Moi, il me manquerait. Moi aussi. Toc, toc. Ça va bientôt être l'heure d'aller à l'école, les enfants. Ceux qui veulent, je leur fais une tartine de confiture. Oui. Une tartine? D'accord. Oui, moi. Toi aussi, Yuri. D'abord, il faut que je retrouve mes chaussettes. Bon, alors, tu nous rejoindras. Allons-y. Oui. Génial. Et non, rien non plus. Je ne vois pas où peuvent être ces chaussettes. Demande plutôt à ta maman. Ce serait bête d'arriver en retard le premier jour. Goliath, toi et moi, on ne retourne pas à l'école. On ne va pas à l'école? Non, parce que si nous on y va, alors il faudra ramener Harold. Et je veux qu'il reste avec moi. Ah, bon d'accord, mais où tu veux aller? Ah, là-dedans. D'accord. C'est vraiment génial d'être là. Oui, je trouve. Oui, sauf pour une chose. Laquelle? On a raté la confiture. J'ai une idée. Si on n'allait pas à l'école après la tartine de confiture. Non, Goliath, on peut pas faire ça. On va trouver quelque chose à manger ici. Oh, alors ça va. Oh, oh tiens, là-bas. Banane! Oui, donne-moi une, j'ai vraiment faim. Et hop. Tu vois, je savais bien que je trouverais. Goliath! Oui? Oh, on dirait que j'avais encore plus faim que je croyais. Bonjour. Oh. C'est un truc. T'as une idée de ce qu'il cherche? Je ne sais pas, mais je dirais qu'il cherche peut-être les bananes. Est-ce que c'était vos bananes? Oh oh.
suis désolée, on les a toutes mangées. Mais mon ami Goliath avait vraiment très très faim. J'étais affamée. Et bon, on ne pouvait pas se douter que ces bananes vous appartenaient. Qu'est-ce qu'on va faire, Yuri? On pourrait vous trouver d'autres bananes. Tout en haut de l'arbre, là-haut. Oh, Yuri, tu as vu comme il est haut, cet arbre? Ouais, bon, je crois que je n'ai pas le choix. Oui, tu as raison, Yuri. Allons-y, on va monter tous les deux. Non, Goliath, il vaut mieux que tu restes ici. Il est vraiment immense, ce bananier. Et tu n'arriveras pas à y grimper. Mais si je reste ici et que toi tu es tout là-haut, je vais me retrouver tout seul. Et moi je n'aime pas être tout seul, Yuri. Mais non, voyons, tu ne seras pas tout seul. Tu vas rester avec les singes, ils vont te tenir compagnie. N'est-ce pas les amis? D'accord, on va faire comme ça. Mais s'il te plaît, reviens vite. C'est promis. Parfait. Parfait. Bon, alors, est-ce que ça... Ah, doucement, oh, arrête de tirer, c'est ma queue. Hé, non, arrête. Bon, je ne sais plus quoi faire. Encore? Ça te plaît? Ça aussi tu aimes? Ça vous fait rire quand je fais... Maintenant, si... Hé, si on chantait une chanson... Oui, c'est ça, bravo. Allez. J'y suis presque, hein? Oh, à ce que je vois, au moins, il s'amuse bien. J'aime chanter dans la jungle et manger des oranges. Je m'appelle Goliath et je suis le roi des singes. Je fais des pouettes, je remue les oreilles. Et ça vous fait rire quand je chante au soleil. Applaudissez. Bravo les singes, oui c'est ça. Et voilà. Oh, c'était génial. Ça y est Goliath, me voilà. Et regardez petit singe, je rapporte plein de belles bananes bien mûres. Ah oui, bravo Yuri. Merci. Merci à vous aussi d'avoir veillé sur Goliath pendant mon absence. Oh, ils se sont bien débrouillés, ça oui. On s'est amusés comme des fous. Génial. Voilà, je crois qu'on peut y aller maintenant. Oui, d'accord. Au revoir les petits amis. Hey, qu'est-ce qui leur arrive? Je sais pas. Hein? Oh, vous allez manquer à moi aussi. Hey, Yuri. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez plus me rendre Goliath? Oh non, vous n'avez pas le droit de le garder. Goliath, c'est mon ami à moi. Oui, c'est vrai, je suis son ami. Oh, je sais que vous m'avez offert tout ça. C'est vraiment très gentil. Et on s'est bien amusé. Mais il faut que je reparte avec mon meilleur ami Yuri. Yuri, tu peux essayer de leur parler? Petit singe, je comprends ce que vous ressentez pour Goliath. Il est si amusant. Je l'aime aussi beaucoup. Tiens, c'est comme vous, vous vous aimez tous les trois. Que se passerait-il si vous ne pouviez plus être ensemble? Vous voyez? Ça me fait pareil pour Goliath. Il me manquerait terriblement si on nous séparait. Oh, merci beaucoup. Yuri, ça me fait mal au cœur de les voir si tristes. Ils se sont tellement bien occupés de moi tout le temps que tu as été partie. J'ai une solution. Hé, les petits singes, comme vous avez de si délicieuses bananes, peut-être que chaque fois que je reviendrai en cueillir, vous pourriez jouer avec Goliath. J'ai l'impression que c'est maintenant qu'ils veulent jouer.
Malheureusement, vous savez, on ne peut pas rester jouer avec vous. On doit y aller, on est attendu. Ne vous en faites pas, on revient bientôt. Et à ce moment-là, on pourra jouer, d'accord? Au revoir. Au revoir, les amis. Et on est attendu où exactement? On est attendu à l'école. Mais si on y va, on n'est pas obligé de leur rapporter à Harold. Alors on n'aura plus ici avec nous. C'est ça. Si on garde avec nous, toute la classe sera malheureuse. Ah, c'est vrai. Tu as raison. Mais j'ai une idée, Colias. Suis-moi. Oh, oh, c'est Harold! Ils l'ont rapporté. Revoilà Harold. Bonjour Harold. Tu m'as manqué, Harold. Chouette. Bonjour Yuri. Tout le monde te remercie de t'être aussi bien occupé d'Harold à Noël. J'adore les jeux et la maisonnette que tu lui as fabriquée. Merci, mademoiselle Carole. On s'est bien amusé avec lui. Alors, je pourrais peut-être le garder à nouveau quand on aura d'autres vacances. Si tu veux, je suis sûre qu'Harold sera ravie. Merci, mademoiselle Carole. Elle a dit oui. On se tortille au sol, on est farandole. On a plein de pattes, ça c'est sûr, ça vous épate. Et un, et deux, et trois, hop. Et vive la danse des chenilles, hop. Vive la danse des chenilles. Petite bestiole qui caracole. Vive la danse des chenilles. Je suis minuscule, j'avance, j'ondule. Vive la danse des, la danse des, la danse des chenilles. Oh, ça me plaît d'être une chenille. On l'a refait, c'est moi qui guide. Hé, hey, regardez, juste là. C'est un nouveau. J'espère qu'il est gentil. Il a l'air, en tout cas. Sa famille doit être nouvelle dans le quartier. Oh, voilà mademoiselle Carole. Au moins, il est poli. Peut-être qu'il aime dessiner. Ou peut-être qu'il aime jouer au ballon. Oh, regardez comme c'est mignon. On devrait aller lui dire bonjour. Oui, il faut toujours être gentil avec les nouveaux. Mais j'avais envie de refaire la danse des chenilles. Peut-être que le nouveau, il aimerait faire la danse des chenilles avec nous. D'accord, je lui demande. Oh, Lily, bravo, quel bel accueil. Oui, mais sois gentille. Au cas où il serait timide. Je suis toujours gentille. Bonjour, moi c'est Lily. Et toi, ton nom? J'ai dit que je m'appelais Lily. On voudrait savoir si tu veux venir faire la danse des chenilles avec nous. Hein? Bon alors, est-ce que ça te plairait de jouer avec nous, oui ou non? Bien. Non, il ne veut pas jouer. Peut-être qu'il n'aime pas les chenilles. Mais elles sont si petites et si mignonnes. Il n'a même pas voulu me dire son nom. Tant pis, on n'a qu'à jouer sans lui. Venez. Cette fois, c'est moi devant. On y va? Oui. Allez. On se tortille au sol, en une farandole. On a plein de pattes, ça c'est sûr, ça vous épate. Et un, et deux, et trois, hop. Et vive la danse des chenilles, hop. Vive la danse des chenilles. Oh, stop, arrêtez. Regardez où on est. Oh, la jungle. Oh, les arbres sont immenses. Oh oui, regardez, ces beaux arbres verts. Ce ne sont pas des arbres. Non, on dirait plutôt des herbes. C'est dur de voir par-dessus. Pour moi aussi, c'est trop.
C'est parce que dans cette jungle, les herbes poussent très haut. À moins qu'on soit devenu tout petit. Oh. Regardez. Allons jusqu'à cet arbre immense. Oui, allons-y. Suivez-moi. Moi, je dis qu'ici, la nature est plus grande. Oh, et moi, je dis que c'est nous qui sommes plus petits. Tu as tout faux. Toi, tu as tout faux. Oh, vous voyez, je l'ai trouvé, l'arbre. Oui, bravo, Goliath. J'ai vu quelque chose. Moi, je vois plein de choses. Non, j'ai vu quelque chose bouger, là. Ah oui, c'est une chenille. Non, pas une, deux chenilles. Oh, trois chenilles. Qu'est-ce qu'elles font? Moi, je ne sais pas. Mais elles sont très mignonnes. Peut-être qu'elles sont en train de jouer. De jouer? Oui, regardez, elles font la danse des chenilles. Oh, ça alors! Des chenilles qui font la danse des chenilles. Génial, je veux danser moi aussi. On peut danser, s'il vous plaît? Oui, on fait bien les chenilles, nous pas Lily. Parfait, allons les rejoindre. Ça ne se fait pas, voyons. On doit leur demander si elles veulent bien. Oui, c'est vrai, ce serait plus poli. D'accord, vas-y Bongo. Mais sois poli, comme moi. Hé, hey, bonjour. Coucou. Belle journée pour aller en paix. Matt, vas-y toi, demande. Yuri, tu veux le faire? Un. D'abord, c'était l'idée de Lily. Et n'oublie pas, sois poli. Et sois très gentille, d'accord? Bonjour mesdames les chenilles, je m'appelle Lily et voici mes amis. On est là, bonjour. Bonjour les chenilles, ça va aujourd'hui? Bonjour mesdames les chenilles, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, moi Bongo. Oh bonjour, je m'appelle Nessa. Alors voilà, on sait faire la danse des chenilles et on veut savoir si on peut se joindre à vous. Ça veut dire oui ou non? Je ne sais pas, elles ne font que des couinements. Oui, et on ne parle pas le couinement. Pourquoi elles ne disent pas quelque chose de facile à comprendre? Peut-être qu'elles ne nous comprennent pas. Il faudrait qu'on trouve une solution. Oui, nous, tout ce qu'on veut, c'est faire la danse des chenilles avec elles. Oui, mais comment leur faire comprendre? Pas en parlant, mais on peut leur montrer. Leur montrer? Oui, je suis sûre que si elles nous voient danser, elles comprendront peut-être ce qu'on cherche à faire. Oh, bonne idée. Oui, très bonne idée. Oui, allons-y tous ensemble. Bravo, bonne idée, Matt. Suivez-moi, cette fois je guide. On sortit au sol en une farandole. On a plein de pattes, ça c'est sûr, ça vous épate. Et un, et deux, et trois, hop. Et vive la danse des chenilles, hop. Vive la danse des chenilles. Petite bestiole qui caracole. Vive la danse des chenilles. Je suis minuscule, j'avance j'ondule. Vive la danse des, la danse des, la danse des chenilles. Chenille. Petite bestiole qui caracole. Vive la danse des
voulait jouer avec nous. Mais il t'a dit qu'il ne voulait pas. En fait, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est juste que... il n'a rien dit du tout. Je n'ai peut-être pas été claire. On n'a qu'à tous y aller en même temps. Bonne idée. Oui, qui sait? Allons-y. Oui. Tu te souviens de moi? On veut savoir si tu veux jouer avec nous. Disculpame, pero no sé hablar francés. Quoi? Solo hablo español. Y no te entiendo. Je crois qu'il ne comprend rien à ce qu'on dit. Oui, nous on ne comprend rien à ce que lui il dit. Lily, Yuri, Matt. Bonjour. Oh. Marcelo. Lily. Génial. Et pour la danse des chenilles, comment on va lui dire? On va lui montrer, comme tout à l'heure avec les chenilles. Suivez-moi. Marcelo, tu nous rejoins? Marcelo, viens là. Estoy listo. On se tortille au sol en une farandole. On a plein de pattes, ça c'est sûr, ça vous épate. Et un, et deux, et trois, hop, et vive la danse des chenilles, mi-hop. Vive la danse des chenilles. Petite bestia.